voilà une nouvelle étape pour nous dans le cadre de cette tournée d'été avec votre quotidien L'Indépendant. Tous les jours au cœur du territoire, tous les jours à la rencontre d'endroits, à la rencontre de personnes qui font vivre ce département. J'accueille, on est à Alenia, j'ai oublié de le dire. Nous sommes en direct depuis Alenia dans ce superbe parc. Et j'accueille à mes côtés notre premier invité de la matinée, c'est Monsieur le maire, Monsieur Jean-André Magdalou. Bonjour, monsieur. Ah, la cloche sonne. Ça y est. Voilà, ça y est, c'est tout. Bonjour, Monsieur le maire. Comment allez-vous ce matin? Ben, très bien. Très bien. Expliquez-nous un petit peu, on est dans le parc Escoffier. Quelle est l'histoire de ce parc? Alors, c'est la première cave mécanisée du département et qui a été construite à la fin du 19e siècle, mise en fonction au début du 20e. Et c'est un investissement de la famille Violet, donc bien connue des caves bières de Thuir. Voilà, c'est pour ça que vous voyez, c'est de la pierre de Thuir. Oui, sur les façades. On l'architecture des caves, voilà. des caves de Thuir. On les reconnaît. Ça a été le cœur de la vie sociale et économique de la commune. Et c'est un lieu qui a été ensuite, en grande partie, acquis par la municipalité en 80 et qui est devenu aujourd'hui le cœur de la vie sociale, culturelle, avec la saison culturelle, les animations, ce parc municipal, des salles pour les associations. L'office du tourisme également. L'office de tourisme, voilà. Donc on est au cœur d'Alenia. Ça nous va très bien. Ça correspond tout à fait à ce produit d'été qui nous conduit de ville en ville, côté littoral, côté arrière-pays. Aujourd'hui, on est un peu entre les deux. On est un peu entre l'arrière-pays et le littoral. Monsieur le maire, l'été pour vous à Alenia, est-ce que ça représente un fort potentiel? Est-ce que la vie change à Alenia pendant l'été? Oui, en termes d'animation, c'est bien sûr un peu plus vivant. Après, on ne connaît pas les évolutions et les variations en termes de population des communes du littoral. Mais je pense que ça nous permet de garder l'authenticité. Voilà, on est un peu pris en étau entre Perpignan et entre Saint-Cyprien et le littoral qui est très fréquenté l'été. Voilà, c'est un lieu justement qui permet de... Enfin, on garde cette authenticité avec bien sûr un peu plus de touristes. Et ce qui est bien, c'est que pour les touristes qui sont sur le littoral, on est le premier relais vers l'arrière-pays. Aujourd'hui, on emploie le terme de rétro-littoral. Voilà, on est à 4 km des plages de Saint-Cyprien. Donc il y a bien sûr des infrastructures d'accueil de touristes, des animations plus familiales en période estivale, mais voilà, on n'a pas ces variations que connaissent les stations balnéaires. Voilà, on a tous les avantages de la mer et tous les avantages de la campagne en même temps, puisque on peut aller à la mer en vélo, quasiment. Ah ben aujourd'hui oui, d'autant plus qu'il y a la voie verte. Le premier tronçon qui permet de relier Alenia aux plages nord de Saint-Cyprien en toute sécurité. Ça a été ouvert dans le courant de l'année. Beaucoup d'Alignanais n'ont pas attendu l'ouverture complète. C'était pendant le confinement pour profiter de cet équipement. Et donc ça, c'est vraiment un atout pour notre commune. Un bel atout pour la commune, oui. D'être à quelques kilomètres de la plage et pouvoir y aller en vélo, c'est délicieux. Et puis le soir, on rentre se mettre au frais, au vert, sur la commune d'Alenia. On parlait d'hébergement, est-ce que vous avez des campings, beaucoup de gîtes? Comment on accueille les touristes à Alenia? Alors, il y a le village de vacances du Mas Blanc, qui est sur la route entre Alenia et Tézat et qui fonctionne depuis plusieurs années, enfin même qui est connu depuis les années 70. Il y a ensuite le camping Cap Sud, qui est un camping qui est vraiment au cœur du village. Il est à 5 minutes tout juste à pied d'ici. Il est quasiment inclus dans le centre historique. Et il y a de l'hôtellerie avec un concept, en tout cas hybride entre l'hôtellerie et l'auberge, sur le site de Las Motas. Ça, c'est quelque chose qui est assez récent. Ça, où le site existait déjà, est exploité par des hôteliers. Et là, une nouvelle équipe, Ob Alenia, a repris cet ensemble il y a quelques semaines. Et après, il y a bien sûr de la résidence, enfin des locations saisonnières par des particuliers. C'est pas négligeable aussi. Voilà, donc tous les atouts d'un pôle d'attraction pour venir en vacances, profiter en même temps de la plage, en même temps de la verdure de l'arrière-pays, des infrastructures pour vous accueillir. Quelques bonnes raisons de vous offrir un petit séjour à Alenia. Monsieur le maire, merci de nous accueillir aujourd'hui. Merci à vous. Et puis nous, tout au long de cette matinée, nous allons recevoir derrière les micros de l'Indépendant toutes les personnes qui font vivre la ville en été, mais également tout le reste de l'année. Merci, monsieur le maire. Merci à vous. Et nous, on se retrouve dans quelques instants avec un nouvel invité.
voilà, et toujours à Alenia où nous partageons avec vous cette belle journée estivale avec un peu de vent pour accueillir nos invités. Alors j'ai deux invités cette fois-ci. Elles viennent de l'association Ardalenia. Josiane Vincent, bonjour. Bonjour monsieur. Et Louisa Benabdallah. Bonjour. Bonjour Louisa. Josiane, vous êtes une artiste ? Oui, a priori. Oui. A priori, oui. En fait, je suis aquarelliste. Aquarelliste, oui. D'accord, aquarelliste. À l'association Ardalenia. Alors, parlez-moi un petit peu de cette association. Elle existe depuis quand ? Elle existe à peu près 5 ans. Oui. Voilà. Et elle succède à Art Culture d'Alenia. Et elle est dirigée par Aimé Mendoza. Vous en avez déjà parlé, là ? Oui, non, oui, oui. Pardon, oui. Et en fait, elle a pour but principal de rassembler des artistes de notre village et ainsi de promouvoir un patrimoine, artistique, local, diversifié et éclectique. Alors, tout est dit, hein, donc un patrimoine diversifié, à la portée de tous. Combien d'artistes dans cette association ? Nous sommes une trentaine. Une trentaine d'artistes, oui, à l'Aignan. Oui. Avec Louisa, oui. Vous êtes. On va laisser sonner la cloche. Hein. Je sais pas si on entend en direct. Non, c'est bon. Voilà. Ça fait partie. Louisa, vous aussi, vous êtes aquarelliste ? Non, moi je suis huile acrylique. Huile acrylique, oui. Hein. Donc c'est des tableaux qui sont un peu plus pêchés. Un peu plus soutenus. Voilà. Oui. Vous exercez cette passion depuis combien de temps ? Ça doit faire une dizaine d'années. Vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite ou vous avez découvert ça Un petit peu lorsque j'étais petite, mais bon, c'est venu après sur le tard. J'ai repris ça sur le tard, en fait. À partir du moment où je me suis mise à la retraite, où j'étais à la retraite, donc... Vous avez le temps d'expliquer. Voilà, tout à fait. Josiane, vous nous avez amené... alors c'est Carla qui va nous montrer quand même... l'œuvre de l'artiste. Alors on cache un petit peu l'artiste qui est derrière le tableau, mais ça vaut le coup parce qu'on a une superbe aquarelle qui représente une façade d'Alenia, hein, que le public, les lecteurs indépendants voient en direct maintenant sur Facebook. Ça donne envie, hein, de visiter une expo. Vous exposez de temps en temps ? Tout à fait, nous exposons une fois par an. Et puis-je parler de l'exposition de l'année prochaine ? Allez-y. Ben, voilà. Donc l'exposition de l'année prochaine aura lieu du 29 mai au 13 juin. Je ne connais pas encore les horaires, mais ce sera annoncé. On aura l'occasion d'en reparler d'ici le mois de mai. Ah ben j'espère bien, oui. De l'eau sous le pont et des virus dans le ciel. Hein. Faites-nous confiance, on vous contactera. On a confiance. Et vous savez que l'Indépendant est un quotidien, donc nous aurons largement le temps d'en parler dans les colonnes. Et puis également peut-être de vous accueillir sur les divers supports, puisque nous avons bientôt une radio, nous avons des Facebook Live. Donc l'Indépendant évolue avec son temps. Quand vous faites une expo, il y a combien de tableaux on peut voir ? Combien d'œuvres sont exposées à peu près ? Une centaine. C'est très diversifié parce qu'il n'y a pas que des tableaux. D'accord. Il y a des sculptures, il y a de la terre, le fer. Voilà. Récemment, il y a du fer aussi. Oui. Du fer humoristique. Oui, tout à fait. Oui. Bah, des choses qu'on pourra découvrir. Est-ce que, alors, question subsidiaire ? Est-ce que les œuvres sont à vendre ou pas ? Tout à fait. Aussi. Tout est à vendre. Oui, ça peut l'être. Tout peut être vendu. Oui. Alors, je me tourne autant vers l'une que vers l'autre. Quand on vend un tableau, est-ce qu'il n'y a pas, on n'a pas un petit pincement au cœur quand on a... Moi, je n'arrive pas à les vendre. Ah, vous les vendez pas ? Je n'arrive pas. D'accord. C'est quand même un morceau de soi qui... Tout à fait. J'arrive pas. Qui quitte votre salon pour aller dans le salon de quelqu'un d'autre. Exactement. Non. On m'a proposé déjà, mais je n'ai pas réussi à aller. Je rejoins Louisa, c'est très difficile de vendre. Ouais. Voilà. Ouais. Et je vais me décider à le faire parce que ma maison est encombrée. Exactement. Voilà. Moi, je peins depuis quelques longtemps. Quelquefois aussi, peut-être pour faire plaisir à... C'est plus aussi, facile. On peut faire plaisir à des amis, voilà. Aussi, des cadeaux aussi. Éventuellement, tout à fait. Des cadeaux uniques. Hein. Ben, écoutez, Josiane et Louisa, moi, je suis ravi de vous avoir accueillis, hein, puisqu'on est là pour mettre... quelques coups de projecteur sur la vie d'Alenia, on le fait avec beaucoup de plaisir. D'autres invités vont succéder dans quelques instants sur ce plateau média de l'Indépendant. Merci de votre vie à Alenia, merci de faire participer tout le monde. Je pense qu'on peut aller découvrir, s'initier à la peinture dans votre association. C'est là pour ça. Alors, vous permettez, on ne peut pas s'initier dans notre atelier. Mais quel dommage. Allez-y, continuez. Parce que nous sommes une trentaine d'adhérents, comme nous vous disions tout à l'heure. Nous sommes indépendants et nous travaillons... chacun chez soi. Et Dieu pour tous. Mais Dieu, il est là, tout à fait. Il y a des ateliers communs, mais Ardalenia a pour... Pas chez nous. A pour identité de réunir
tous les artistes d'Alenia. Oui, c'est la vitrine. Voilà, exactement. Voilà, c'est la vitrine de quelques 30 artistes. Et indépendants. Ça, mais vous n'avez pas une vraie structure. Voilà, Il y en a une qui existe. Hein. Il y en a une qui existe, mais nous, nous en faisons pas partie. D'accord. Ceux qui ne font d'accord. Pas non, notre partie. Seule structure, c'est voilà. Art Alenia, c'est voilà. L'association. Voilà. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour, Josiane? Est-ce qu'on n'a pas oublié de détails importants? Eh bien, j'aurais quand même vous dire que malgré, que nous travaillons tous individuellement, donc on est susceptible de ne pas se connaître, mais ce n'est pas du tout vrai. On a des activités lucratives à l'intérieur. À l'intérieur, d'abord déjà, l'Assemblée annuelle générale, oui. Où nous discutons des projets classiques des de projets l'année. De voilà. L'association. En nous fait. Faisons des soirées telles que soirées crêpes et un repas une fois par an. Voilà. Cela nous permet de mieux nous connaître, de discuter entre nous. De nous rencontrer, nous, bien sûr. Et de, voilà, ouais. Tout simplement. Bon, ouais, moi, ouais. Je suis gourmand, j'ai noté la soirée crêpe. Mais oui, monsieur, ce sera avec plaisir. Nous faisons les marchés de Noël aussi. Il y a beaucoup de vie. On vient à Alenia, on est obligé à un moment de croiser Il y a beaucoup de vie à Alenia. Absolument. Il faut le préciser. Alenia, il faut le préciser. C'est pas Paris, tout le monde se connaît. Exactement. Nous avons même un orchestre symphonique. Encore une raison de plus de venir rendre tout à fait. Visite à Alenia. Merci mesdames, je vous laisse repartir à vos activités artistiques et puis je vous souhaite une bonne fin de dimanche et puis peut-être à très bientôt pour de nouvelles aventures avec merci à vous. Merci, à vous. Merci beaucoup. Toujours à Alenia, hein, depuis ce matin, on est là, on bouge pas, on est dans ce superbe parc écoiffier à l'ombre des platanes avec le marché pas très loin qui commence à s'animer en fin de matinée de dimanche. Mon nouvel invité c'est Alain Girbal, bonjour Alain. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal et président du foyer laïque. Tout à fait. Alors ce foyer laïque, le foyer laïque a pour but de créer le lien intergénérationnel entre les enfants et les adultes, et nous avons plusieurs activités, notamment le yoga, adulte, le renforcement musculaire, la zumba, les cours de peinture enfants-ados, les ateliers libres et les arts créatifs adultes. Et nous comptons créer pour la saison à venir le hip-hop pour les enfants, pour les jeunes, de la gymnastique pour les enfants, et puis de la gymnastique aussi pour les parents qui travaillent après les heures de travail le soir. Il y a une belle palette d'activités pour cette saison. Nous avons effectivement une bonne palette d'activités et nous avons aussi entre 122 et 125 adhérents à l'année qui sont très, très impliqués dans le foyer d'Aïe. Quels sont les grands projets, s'il y a une évolution prévue pour les prochaines années, les prochains mois? Les objectifs, notamment pour le hip-hop, c'est d'amener les enfants à faire des concours pour les inciter à rentrer dans ce milieu sportif et créatif. Et surtout, nous voulons absolument créer une grande exposition de tous les arts qui sont créés par les adhérents et faire une grande fête tous les ans à Alenia dans le cadre du foyer laïque. Une fête donc où tout le monde montre son art. Voilà, toute une fête où après sportive, les expositions, culturelles, sportives, avec des animations pour pouvoir amener du monde sur Alenia. Alors, évidemment, on va croiser les doigts pour que les conditions sanitaires absolument, nous permettent de faire la fête. Ça serait à quel moment? Le moment le plus adéquat, ça sera fin d'année, vers le mois de juin. Vers le mois de juin. Donc voilà, on va essayer de... On va essayer d'y arriver sans problème sanitaire. Quoi. Absolument. C'est le vœu qu'on vous souhaite. Alain, est-ce qu'on a oublié quelque chose? Non, tout va bien. Eh bien, écoutez, on va vous souhaiter... un bel été pour votre foyer laïque. On va vous souhaiter une belle rentrée dynamique avec, j'espère, plein de nouvelles adhésions, plein de nouveaux candidats qui vont pouvoir faire du sport, de la peinture, s'exprimer d'une manière sportive. Voilà. En plus, il faut savoir que nous avons le forum des associations qui est le 5 septembre, le dimanche 5 septembre, et nous vous attendons nombreux pour vous inscrire. Une date très importante pour le foyer. Voilà, le 5 septembre, c'est là tout que c'est la vitrine de toutes les activités. Tout à fait, de toutes les associations d'Alenia. Et avec la belle palette que vous nous avez présentée, eh bien, on ne doute pas que ce 5 septembre, tous les bénévoles et tous les responsables des associations seront sur le site pour vous inviter à une rentrée
sportive, culturelle ou de loisirs en fonction de vos besoins. On est toujours à l'Aigna. Je vous remercie. Mais avec grand plaisir, vous êtes derrière ce micro chez vous. Nous, on est toujours à l'Aigna jusqu'en fin de matinée. Et dans quelques instants, un prochain invité derrière les micros de l'Indépendant pour faire vivre cette magnifique ville d'Aigna. Un dimanche à l'Aigna avec la tournée de l'Indépendant, la tournée d'été de votre quotidien l'Indépendant avec de temps en temps quelques incursions sur le Facebook. J'accueille Marie-Ange Geoffre d'Estaville qui est conseillère municipale. Bonjour Marie-Ange. Bonjour Jean-Pierre. Conseillère municipale qui s'occupe de la communication et un volet très important, c'est la lutte contre les violences. Alors c'est bien qu'à l'Aigna on s'occupe un petit peu des violences. Expliquez-nous, c'est quoi votre quotidien dans cet univers ? Alors, dans cet univers, nos quotidiens, depuis l'année dernière, on travaille sur les projets de sensibilisation avec l'espace jeunesse, avec les adolescents notamment. On prépare des journées interactives, notamment sur le cyberharcèlement, sur le sexisme ordinaire. Là, à la rentrée, on prépare des journées de sensibilisation sur les violences sexuelles sur mineurs. Le tout, c'est de les sensibiliser, de prévenir ces violences-là pour qu'ils puissent parler et pour qu'on puisse les écouter et qu'ils puissent vraiment être au fait. On en parle depuis pas mal de temps de ces violences-là. Nous, à l'Aigna, on a décidé d'agir auprès de nos jeunes et de leur proposer de participer à des ateliers. Maria, quand vous dites auprès de nos jeunes, quelle est la cible? Alors, en matière d'âge? En matière d'âge, nous, on travaille avec l'espace jeunesse, c'est entre 11 et 16 ans. Alors, je suppose qu'on n'a pas la même vision de la violence à 11 ans qu'à 16 ans. Non, mais ces jeunes-là sont, avec tous les médias aujourd'hui, sont très au fait de ce qui se passe. On a beaucoup, beaucoup d'interactions. Ces jeunes-là, ils sont super intéressés, super intéressants. Ils sont très réactifs parce que ce sont des ateliers vraiment interactifs. Alors, quand un jeune qui a 11 ans ou 16 ans, peu importe, parle de la violence, comment il perçoit? Comment ça se passe? Quels sont les mots qu'ils emploient? Alors, très étonnamment, notamment au mois de février, on a fait une journée de sensibilisation avec l'association IDEM de Perpignan sur le sexisme ordinaire. Et ils nous ont vraiment impressionnés parce que c'est des mots que nous, en tant qu'adultes, on entend, qu'on pratique tous les jours. Ces jeunes-là ont ces mêmes mots. Ils ont accès aux mêmes médias, aux mêmes informations que nous aujourd'hui avec Facebook, avec TikTok, avec Instagram. Donc, ils ont ces mots-là. Ils posent beaucoup de questions. Et c'est des questions qui sont très percutantes. On arrive vraiment à avoir un dialogue très intéressant et à leur démontrer des situations qui, pour eux, leur semblent ordinaires, qui ne le sont pas réellement aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de les faire grandir trop vite quand on les confronte ? Non, pas du tout. Ils sont déjà grands très vite. Malheureusement, il y a des enfants qui n'ont pas cette possibilité de parler de ça chez eux. Nous, on est là pour leur aider. À ouvrir leurs paroles et à ce qu'on les écoute. Non, ils ne grandissent pas trop vite. Ils sont déjà grands, malheureusement, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez eu, alors, sans parler de cas précis, mais est-ce que votre structure a permis à des enfants de dénoncer des violences pour lesquelles ils sont soit victimes, soit témoins? Est-ce qu'ils se sont libérés chez vous? Alors, pour l'instant, non, parce que, heureusement et malheureusement, tant mieux. Pour l'instant, non, dans le sens où ces journées de sensibilisation, on les a entamées cette année, en février. On devait en faire en avril, on n'a pas pu à cause du confinement. On en fait une la semaine prochaine et il y en aura une autre à la rentrée. Donc, c'est des projets qu'on met en place, qui sont longs à mettre en place, mais c'est des projets qu'on va mener sur du long terme. Le but, nous, sur Aigna, c'est vraiment de faire avancer plein de projets avec les jeunes. Les jeunes qu'on a sur Aigna sont participatif à beaucoup de projets. Il y a deux exemples très concrets qu'on a, c'est la mission solidaire qu'il y a eu au Kenya cette année, où six jeunes sont partis, et un projet qui est en cours de finition, c'est un espace détente de loisirs qui a été mené pour et avec les jeunes. Donc on est en train de créer, c'était déjà le cas avant, mais on l'intensifie depuis quelques mois, un lien vraiment avec la municipalité et les jeunes et les animateurs de l'espace jeunesse. Est-ce que vous rentrez dans les écoles ou pas? Vous avez une action? Non, pour l'instant, on n'a pas encore d'action. C'est très compliqué encore de rentrer dans les écoles. Donc, pour l'instant, on se consacre au périscolaire. Voilà. Donc, on peut parler de toutes les formes de violence. Oui, toutes les formes de violence. Est-ce que vous avez un siège social? Ça se passe comment?
Alors, pour l'instant, on a une association qui vient de naître, qui est toute jeune. On n'a pas encore tout à fait de siège social. Dès que tout sera bien mis en place, on en parlera. On fera appel à vous. On se fera un plaisir de voilà. communiquer l'adresse et le mode d'emploi bien de sûr. Cette association, en souhaitant bien sûr qu'elle recrute le moins de monde possible. Elle en recrute tout cas. Le moins de monde, mais il faut parler. Mais il faut parler. Voilà. Parler, c'est déjà mettre des mots sur les mots, comme Exactement. On dit. C'est déjà faire avancer la société, faire avancer la résolution des problèmes. Oui. En tout cas, Marie-Ange Joffre d'Estaville, merci de votre vous. Intervention. C'était pas très léger, on n'est pas. Mais c'est de pas temps léger, en temps, il faut en parler. Ce sont des problèmes qui existent. Et pour ça, il n'y a pas de saison. Hein. L'été, c'est l'hiver, ça. Malheureusement. Exactement, ça prend pas de vacances. Ces problèmes de violence ne prennent pas de vacances. Nous, on est toujours là, dans le cœur d'Alenia, pour faire vivre cette magnifique petite ville jusqu'en fin de matinée. Oui. Marie-Ange, merci d'être venue. Merci à vous. Et à une très prochaine fois. Avec plaisir. Alenia, toujours et encore en cette fin de matinée où nous partageons ce dimanche avec les gens d'Alenia. On est heureux d'être avec vous. Alors là, on va se tourner du côté de la route 66 quasiment, hein, la route départementale des Pyrénées-Orientales avec l'association Casquet Virolo 66. De ce côté, c'est David qui est le vice-président. Bonjour. Et là, c'est Nono. Bonjour. Qui est le spécialiste pour la préparation des sorties. Voilà. Alors, ce sont des motards, hein, comme... Oui. Ça se voit peut-être pas, mais moi je tiens à le préciser. J'ai juste un casque. On les a entendus arriver, hein, en tout cas. Et ils ont fait un petit crochet, ils ont dit tiens, on peut parler, il y a des micros, alors on va parler. Bah, écoutez, la parole est à vous, votre association. Alors, David. Bonjour, vice-président de Casquet Virolo. Casquet Virolo a été créé il y a à peu près 3 ans. À date d'aujourd'hui, nous sommes à peu près une cinquantaine d'adhérents entre motards et bienfaiteurs et bienfaitrices. On a tout style de moto, ça vient du custom au roster au sportif. On essaye de faire nous faire connaître et de comment c'est dire. Et là, on fait tout ce qui est des associations. On a fait il y a quelques temps sur Toulouse pour un enfant qui est handicapé. Ah, et pour un de ses anniversaires, ses parents nous ont contactés pour lui faire plaisir. Et les motards au grand cœur, hein, voilà, des blousons en cuir, plein de clous partout, les cheveux dans le vent et puis des cœurs gros comme ça. Quoi. Tout à fait, oui. C'est ça, voilà. Est-ce que c'est vous qui peignez les routes là, de temps en temps avec des... Pas encore. Parce que de temps en temps, je vois que les motards sont un peu en colère. Ouais, et puis sur un dodane ou des creux des bosses, on voit des petits coups de peinture fluo. Pas encore. On a l'autorisation dans nos statuts. Délivré ouais. par la préfecture, mais on n'a pas encore fait l'intervention. Voilà. On laisse ça encore aussi au. Non, vous contact. Préparez les sorties. Oui, alors, tout à fait. Comment on prépare une sortie moto? Qu'est-ce qu'il y a de. Ah, ben là, il faut trouver le lieu. Oui. Ouais, parce que nous, dans notre association, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. Et quand il y a des nouveaux arrivants, en premier, s'ils sont motards, en général, ils se tournent vers une association de motards pour rencontrer du monde et profiter de ça pour découvrir le département et même hors département. Voilà. Sinon, au niveau préparation, ça se prépare un bon mois à l'avance. On essaie de trouver un lieu de chute qui est très intéressant. Essayer de trouver quelque chose d'interactif dans la journée et puis de prendre toutes les petites routes et d'éviter les grandes routes, justement. Voilà. Est-ce qu'on a la chance de vous croiser comme on le fait des fois là où on croise des troupeaux de motards 40, 50 Oui, oui, en général, nous, quand on se déplace, c'est entre 20 et 30. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà, donc le lieu de. En général, on va sur un restaurant à midi, donc le restaurateur est content de nous accueillir. Et, ou même au camping, puisqu'on fait des sorties au week-end aussi, hein, planter la tente ou un mobilhome. Et voilà, donc. Et quand on a une moto, quelle qu'elle soit, on peut adhérer à l'association. Il n'y a pas de préférence de marque ou de nationalité. On préfère les japonaises, les anglaises, tout est bon. Tout le monde est bienvenu. Votre association est à Alenia. Oui, à Alenia, tout à fait. Puisque c'est là que nous sommes aujourd'hui. Bien on sûr. Va saluer également Justin qui sont derrière la caméra. Et il y a Benjamin aussi alors, qui a un garage. Tout à fait. À Chourite Moto, pour ne pas le citer. Voilà, tout à fait, qui est sur Tuyère. La moto pour les Chourite. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, tiens? Alors aujourd'hui, on a l'AG, l'Assemblée Générale, qui est sur Alenia, forcément. On a été invité. Et on fait le repas du club aussi, en même temps, sur Alenia. Vous êtes combien aujourd'hui, je crois qu'on était une cinquantaine. Une cinquantaine. Et au menu, il y a quoi? Alors, ce sera charcuterie, salade, brassard de différents.
Et ben, rôti de porc, roast beef, voilà, un repas froid, quoi. Petit apéro pour... Petit apéro de bienvenue, forcément. Voilà, absolument. Avec modération, forcément. Toujours, toujours. Toujours, surtout pour les montants. Certainement, une nouvelle ambiance pendant ces rencontres. Et on essaye de suivre le panipole sanitaire aussi, parce qu'on est toujours en mode Covid aussi. Donc, on est tous contraints à porter le masque. Voilà, bien sûr. Et dans les PO, il paraît qu'on est, au top niveau pour ça. Écoutez, ouais. On déplore ce score, malheureusement. Ouais. En tout cas, que ça ne nous empêche pas de vivre le plus normalement possible, et vous aussi, tout à fait, ouais. Motard, tout au long de cet été, avec le masque, soyons prudents, gardons les distances, lavons-nous les mains, etc. Voilà, etc. Tout à fait. Tout à fait, faisons en sorte que ce virus nous parte un peu ailleurs. Ouais. Hein, oui, qu'il aille voir sous d'autres cieux ce qui se passe. Bonne fin de dimanche, merci d'être venu. Merci beaucoup. Je vous souhaite de belles balades sur les routes du département et autres. Merci bien, merci. Vous aussi. Bonne journée à tous, au revoir. Le Dôme de l'Indépendant pour cette tournée d'été, toujours à Lénia, cette fin de matinée. Midi vient de sonner, c'est quasiment l'heure de l'apéro. Ça tombe bien parce qu'il y a François Horton qui est avec moi. François Horton, vous êtes le brasseur d'Alenia. Vous avez, vous êtes installé. C'est ça. Alors, c'est ça. On est à J+1 en fait. Il a ouvert hier. Il est brasseur depuis un jour à Alenia. Exactement. Et c'est la brasserie artisanale Boissa. Alors, c'est un nom qui vous va bien, Boissa. Bah, effectivement, c'est un nom qui au départ n'était pas du tout pas de choisi pour le jeu de mots. Parce qu'en fait, c'est un nom que j'ai choisi par amour du village d'Alenia. C'est-à-dire, avec ma compagne, on est arrivé déjà il y a plusieurs années ici dans le village et on est vraiment tombé amoureux de ce village par la convivialité et tout ce qui s'y passe au niveau culturel, au niveau de tout ce qui est de l'ambiance, beaucoup. et en fait, vu que je voulais absolument m'installer sur Alenia, j'ai voulu trouver un nom qui parlait d'Alenia. Et donc, en feuilletant les archives de l'histoire d'Alenia, je suis tombé sur ce château de Boissa qui avait plus de 1000 ans, qui a été détruit il y a un peu plus de 40 ans et qui a beaucoup marqué l'histoire, en fin de compte, d'Alenia et même du département. Et alors, la brasserie, c'est quoi? C'est un projet qui vient de loin? C'est une opportunité? Comment on décide d'être brasseur à Alenia? Bon, Alenia, on a compris, c'est pour la beauté du village et l'ambiance qui règne. Mais comment on devient brasseur? Alors, c'est assez simple. Déjà, forcément, il faut avoir un amour pour la bière qui s'est développé pour moi et ma compagne en Belgique, à Bruxelles. En fait, j'ai rejoint ma compagne qui faisait ses études de kiné à Bruxelles. Donc, on a vécu 4 ans là-bas et c'est là qu'on a découvert vraiment toutes les belles bières, on va dire. Oui. Et donc, en fait, tout simplement, en revenant ici, au bout de quelques années, elle m'a offert un kit de brassage qu'on peut trouver partout de juste 5 litres. Et en fait, je me suis pris au jeu et ça m'a plu. J'ai acheté plus gros pour faire à la maison au début en tant qu'amateur. Et au bout d'un moment, j'ai eu envie de me lancer plus intensément dans le projet et de monter la brasserie au niveau professionnel pour faire partager un maximum de personnes. Alors, c'est ultra jeune, hein, c'est 24 heures d'ouverture, mais bon, ouais. c'est un long travail de préparation. C'est ça. Et qu'est-ce que vous allez proposer? Est-ce que vous avez une boutique? Alors oui, j'ai une boutique juste en face de la mairie d'Alenia. C'est d'ailleurs sur le même lieu que je brasse la bière. D'accord. Derrière, c'est une ancienne boulangerie, donc j'ai tous les de l'arrière pour brasser et devant pour la boutique. Qu'est-ce que je vais proposer? Aujourd'hui, je veux proposer ce que les gens apprécient le plus, blonde, ambrée et brune pour commencer, pour bien asseoir des bonnes bases au niveau de la brasserie. Et moi, j'aime beaucoup des choses qui sont très, très maltées, qui ont du goût, qu'on puisse déguster comme un bon vin. Oui. Donc aujourd'hui, la bière, je pense que ça devient un peu ça. Et c'est ce que je veux faire partager. Voilà. Donc dégustation. Dégustation, exactement. On peut voir le brasseur travailler derrière. Oui, je peux directement sur place. Avec plaisir, je fais visiter l'arrière de la boutique pour montrer les cuves, comment ça se passe. Et après, le lieu de boutique dans un premier temps. Et d'ici un mois à peu près, ça sera aussi un lieu de dégustation vraiment officiel où les gens pourront boire un coup sur place et profiter du moment. Est-ce que vous avez un objectif précis de développement ou c'est encore flou pour vous? Alors en fait, j'ai des objectifs vraiment très précis. Maintenant, je sais qu'il faut y aller par étapes et que ça ne se fait pas en un jour. Donc je vais y aller vraiment petit à petit. Là aujourd'hui, j'ai ouvert. Donc je partage mes bières principalement à la brasserie. Donc maintenant, je vais faire le tour des commerçants, des restaurants, des bars, des caves, etc. pour pouvoir petit à petit...
augmenter la production. Oui. Et que la bière Boissa puisse se boire vraiment partout dans le département. C'est la bière Boissa. Oui. Bière Boissa qui se présente. Vous allez profiter des touristes qui auront choisi Alenia pour passer leurs vacances. Donc vous souhaitez que ça marche, hein, qu'on vous retrouve partout dans les magasins, dans les restaurants, chez tous les bons cavistes. Pourquoi pas. Merci François d'être venu nous voir. Et puis on vous souhaite un beau succès, évidemment, toujours à Alenia, avec une brasserie qui s'est installée, qui est depuis hier, et que vous pouvez découvrir, redécouvrir, avec notre ami François Horton. Merci beaucoup. À très bientôt. Voilà, dernier invité pour notre passage à Alenia. C'est Sabine Catarino. Bonjour Sabine. Bonjour. Alors Sabine a été sur le marché ce matin, puisqu'elle a un stand de magasin Créa Couture. Et vous êtes également tous les dimanches sur le marché. C'est ça. Et qu'est-ce que vous proposez sur le marché? Alors sur le marché, je propose des petits articles, des accessoires, des articles zéro déchet, un peu de tout, accessible à tous. Sabine, ce n'est pas qu'un stand sur le marché, parce qu'on a un peu discuté évidemment avant de se retrouver derrière le micro, hein, puisque vous avez une formation dans une école de modélistes. C'est ça. Ouais, vous avez travaillé pour Chanel également. Voilà, donc on ne va pas le dire, hein, je sais que vous êtes modeste, mais on va le dire. On garde ça. Vous avez travaillé pour les plus grands en matière de couture. Oui. Donc ce qui vous amène à Alenia, ils ont de la chance de vous avoir, hein, puisque... Vous ne faites pas que des ourlets? Non, non. Dites-moi un petit peu ce que... Mais je fais des créations sur demande, des robes de mariée, des robes classiques, des kimonos, de tout. Par exemple, je viens chez vous et je veux un costume avec ce tissu et vous allez me faire de pantalon, gilet. Voilà, c'est ça. C'est merveilleux. Je prends vos mesures, on dessine ensemble un petit peu ouais, c'est vraiment ensemble. De la création. C'est de la création, de A à Z. Vous proposez, vous avez des choix de tissus, tout ça, ouais. Non, c'est les gens qui choisissent, ils me D'accord. disent ce qu'ils veulent et on choisit quelle matière va avec ce genre de modèle. Et voilà. Donc vous avez un atelier rue Jules Ferry. C'est à Alenia, oui. À Alenia, on prend rendez-vous, je suppose. On prend rendez-vous. Voilà. Et alors quel est votre, j'allais dire, votre meilleur souvenir ou le truc le plus sympa que vous ayez fait à Alenia? Est-ce que vous avez, il y a 8 ans que vous êtes là. Oui. Quel est le fait le plus marquant de s'il y en a un? Une demande particulière ou... J'en ai eu des demandes particulières, mais là, vraiment, c'est la confection de la robe de mariée que je viens de réaliser. Là. Maintenant, là. Oui, oui. Ouais. Combien il faut de temps pour... Alors, premier contact, la mariée rentre chez vous, elle a une idée Alors, celle-ci n'en avait pas. Ouais. Donc, par rapport à sa taille, à sa morphologie, ben, on déduit un croquis. Vous faites un croquis. Voilà. On fait un croquis et on voit un petit peu ensemble. Ça prend combien de temps pour faire une robe de mariée en moyenne, hein? En moyenne, entre la première visite et la livraison de la robe. Ah, il me faut 2 mois. 2 mois? Oui. Bah, dis donc, c'est... Oui. Il y a plusieurs couches. Enfin, ouais, c'est compliqué quand même. Oui, c'est compliqué parce que on a fait quand même 4 essayages. On fait, voilà, parce qu'il y a toujours des petits détails à revoir. Ça fait partie des réalisations les plus complexes. Oui. Une robe de mariée. Oui, oui. Et un costume pour un homme basique, il faut combien de temps, par exemple? Veste, pantalon Oh, ben, quasiment pareil. Quasiment oui. Oh, donc, je ne pensais pas que ça soit aussi oui, parce que c'est du sur-mesure. D'accord. Personne n'est fait de la même façon. Donc, c'est vraiment du moulage sur le corps. On peut parler budget ou pas? On peut parler du budget pour un costume ou une robe ou entre une fourchette ou... Bah après, c'est tout dépend des tissus choisis. Des formes, des modèles. Des formes, des modèles. Ça peut varier. Du simple au triple, du simple ouais. On peut donner un chiffre ou c'est complexe? Merci d'être venu Merci nous voir vous. Et puis d'apporter cette belle note de couture sur cette fin de matinée. Nous étions à Alenia pour cette tournée d'été de l'Indépendant. Demain, nous serons un peu plus haut dans l'arrière-pays. Sabine, je vous souhaite un excellent dimanche. Merci, et puis un excellent aussi. Dimanche également à tous nos lecteurs, à tous ceux qui nous suivent sur Facebook pour cette tournée d'été. Et on se retrouve très bientôt dans d'autres endroits jusqu'à fin août.